It's midday, December 30th, in Sydney, in the Southern Hemisphere, and only one-third of the Sydney-Hobart fleet have finished. Meanwhile in the Northern Hemisphere, six Monster 32-meter Ultim trimarans have arrived in Brest, France, to do their final preparations for their foiling race around the world, which starts on Sunday, January 7, 2024. To start our report, French sailing superstar Loïc Peyrin talks about round-the-world racing. Tour du monde par rapport à une transat, on comprend bien la différence en termes de distance, en fait, c'est tout simple. La route du Rhum, maintenant il faut une petite semaine pour le vainqueur, en tout cas, sur ces fameux outils. Un tour du monde, pour le gagner, il va falloir mettre au moins 40 jours, à peu près. C'est tout. Il y a un facteur d'échelle, donc un facteur de rythme, s'imposer soi-même pour tous les skippers dans le bateau, un facteur de risque pour le bateau lui-même. On arrive dans des endroits qui sont un peu plus hostiles, potentiellement. Le grand désert maritime qu'évoquait Olivier Pierre Sauzon il y a quelques années, c'est vrai, c'est un endroit dans lequel il n'y a pas d'assistance particulière. On se sent un peu seul quand on est au milieu du Pacifique. Donc on est un peu plus en mode survie. Sur le produit, on ne se pose pas la question, on attaque tout le temps. Là, il faut préserver la machine. Donc c'est un pari qui va être passionnant à suivre de l'extérieur, en fait. C'est surtout ça qui est important. On a beaucoup plus de questionnements mécaniques aujourd'hui à cause de la vitesse, à cause de ces ultimes, ces engins étonnants. Donc chaque skipper et chaque équipe sait qu'ils sont quand même, je ne veux pas dire fragiles, en tout cas sensibles. Alors qu'il y a quelques décennies, on se posait plutôt des questions sur la capacité mentale des marins à faire ce qu'ils voulaient faire. Premier Vendée Globe en 89, les sachants ou journalistes spécialisés se demandaient si on n'allait pas revenir fou. Faut-il revenir fou? On avait des sujets là-dessus. Aujourd'hui, le côté spectaculaire de ces images et le côté exceptionnel de vitesse de ces ultimes fait qu'on se demande si mécaniquement c'est possible. Et les marins eux-mêmes se posent des questions. C'est ça leur grande question. Les marins savent très bien qu'ils sont sur des œufs, ces vitesses-là, et qu'ils ont un peu de mal à ne faire que, ne serait-ce que traverser l'Atlantique sans dommage. Un multicoque, une fois plus trimaran ou catamaran, a la fâcheuse tendance à être plus stable à l'envers qu'à l'endroit. Donc l'idée, c'est pas chavirer. Sur ces ultimes, on est assis sur quatre points. On a le grand foil du flotteur, et puis sur la dérive au milieu, sous la coque centrale, on a un port porteur aussi. Celui-là permet de régler le pitch, on appelle ça l'acide du bateau. Et ça, c'est le côté dangereux de ces fameux ultimes. C'est un petit peu comme si j'avais le pied de mon fauteuil ici, le quatrième pied, qui vissait dans le sol, pas les trois autres. Et donc, ça m'empêche de basculer comme ça. Mais si d'aventure la vis casse brutalement, eh ben, je vais basculer pour ce point. C'est un peu ce qui se passe. Il y a un des plans porteurs qu'on peut faire travailler en négatif. Donc lui, il a tendance à nous enfoncer le bateau dans l'eau, et ça vient contrecarrer les efforts qu'il y a sur les voiles. Et donc, ça augmente inévitablement la vitesse. Mais ça augmente le danger, parce que si d'aventure, ce plan porteur qui me retient dans l'eau, n'est plus dans l'eau, parce qu'il y a des creux, des vagues, et ainsi de suite, d'un seul coup, je peux chavirer. On a augmenté la vitesse de le bateau par 4. En 40 ans, on a quasiment doublé dans les 10 dernières années. En fait, c'est vraiment l'ascension est extrême à cause de ces fameux foils. Et le fait d'augmenter les vitesses, ça ne fait qu'augmenter les risques. Ils ont tous envie de finir, clairement. Et la conséquence est relativement claire. Si on arrive à finir, on a toute chance que le résultat soit bon. Bah, très bien, on est parti de Lorient ce matin à 8h30 et c'était rapide, on a mis 4h pour venir à Brest. Donc voilà, des conditions agitées, il y avait la mer et en ce moment ça souffle pas mal. Donc voilà, on a pu tester une dernière fois le bateau dans du vent, de la mer, à toutes les allures. Donc et le bateau, bah nickel, donc on est content d'être arrivé ici. Bah confiant parce que le bateau est prêt, on a bien travaillé avec toute l'équipe là ces dernières semaines, c'était un peu intense l'enchaînement entre la Transat Jacques Vabre et la Brest Arkéa Ultim Challenge. Et voilà, c'était un programme dense, on le savait depuis plusieurs mois, mais bon, tant mieux, le bateau n'a pas eu de problème particulier sur la Jacques Vabre, sur le retour aussi par la mer. Et du coup, voilà, les quelques semaines qu'on a pu passer à Lorient n'ont pas été trop pour,
pour vraiment checker le bateau. Et là, bah oui, je suis confiant parce que le bateau est prêt, prêt à partir, moi aussi. On va profiter un petit peu des jours à Brest. Là, c'est on est content d'avoir une belle course ici en Finistère où je suis originaire. Donc ça va être sympa de partager quelques moments avant le grand départ. Bah oui, ça va être mon quatrième tour du monde en solitaire sur un tout autre trip de bateau. Donc je connais le parcours, mais je ne fais pas forcément l'exercice sur ce genre de machines qui sont quand même très exigeantes. Donc oui, il va falloir trouver son rythme à bord. Ça va être l'objectif dans les premiers jours de course notamment. Il faudra prendre ses marques, ses repères, voir un peu comment les autres aussi s'engagent. Il y a pas mal d'inconnus finalement. On part sur une grande première, hein, tous. Hein, on est tous bien conscients de cette grande difficulté qui est devant nous. Mais voilà, on a travaillé pour ça. Aujourd'hui, moi, ça fait 2 ans et demi que je navigue sur ce bateau, donc je le connais très bien. Et donc, prêt à attaquer ce grand défi. Et j'espère revenir à Brest deuxième quinzaine de février, ce serait super. Ouais, ce sera une des clés de la réussite, hein, d'avoir un bateau le plus, on va dire, fiable pendant toute la course. C'était le cas déjà sur les courses que j'ai pu faire avec des monocoques. Là, en multicoque, bah, c'est encore plus important. Et oui, il faudra prendre soin de la machine, aller vite au bon moment. Et voilà, ça va être un savant dosage à trouver pendant ces 7 semaines de course. Si ça, 7 semaines de course, on verra. La route est longue, on verra, il va se passer plein de choses. Mais voilà, je suis content d'avoir ce bateau-là pour partir sur le Tour du Monde. C'est un bateau qui avait été dessiné et construit pour ce Tour du Monde. Donc voilà, on a hâte de montrer son potentiel. Bah non, le record, c'est un bonus. Là, on ne va pas choisir la météo du départ. On part le 7 janvier. On aura la météo qu'il y aura, on ne sait pas encore vraiment. Et on va d'abord essayer d'arriver avant les autres. Et ça, ce serait déjà l'objectif numéro 1. Bien sûr, de terminer ce Tour du Monde, ce sera aussi pour moi une grande réussite. J'ai fait 3 fois le Tour du Monde, la dernière fois en 74 jours. Donc si je peux le faire en un mois, 2 mois, ce serait top. J'étais pas surpris qu'il y ait du monde. Je connais les Brestois et Brestoises, les Finistériens, et puis même tous les gens qui aiment la mer. On sait qu'ici, il va y avoir pas mal de public pendant toute la semaine de présence ici à Brest. Et vraiment, c'est génial. J'avais amené un copain en plus avec moi, un copain de Brest. Donc, il m'avait donné des nouvelles. Il avait des copains qui étaient sur le quai. Il m'a dit, il y a beaucoup de monde. Donc on est très heureux. C'est bien. En plus, il fait beau. Donc, ravi d'arriver sous ces conditions. C'est vrai que ça fait maintenant pas mal de jours que je pense qu'il y a cette course. Donc oui, c'est dans la tête, ça va être quelques jours encore, hein, on va dire, à la maison pour souffler, enfin surtout garder un peu la bonne énergie et puis après rentrer dans sa bulle d'ici le départ, d'ici dimanche prochain. Ça va monter crescendo la pression avec la météo qu'on aura. Pour l'instant, on ne la connaît pas encore, mais ça donnera un petit peu le rythme pour le début. Ouais, c'est toujours important d'avoir beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui sont derrière nous. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de toutes générations, des jeunes et moins jeunes. Et c'est chouette, les gens vont suivre la course. Chaque concurrent aura une histoire à raconter. Et on espère que la mienne sera sympa et sera belle à raconter. On verra ce qui va se passer. Mais on sait qu'en tout cas, on va être poussé par derrière, par beaucoup de gens. Et ça, c'est top. Ouais, on savait que l'enchaînement était assez dense. On le connaissait, cet enchaînement, depuis plusieurs mois, donc on s'est préparé en conséquence. On avait prévu, pas forcément de naviguer beaucoup entre les deux courses, ce qui était le cas. On a fait 3 sorties depuis qu'on a remis le bateau en état. Et moi, j'ai eu le temps de me reposer, même si c'était court. Mais j'ai pas fait le convoyage retour, c'est Sébastien qui l'a fait avec l'équipage. Et depuis, j'ai pu récupérer et reprendre la préparation physique et attaquer ce marathon. C'est un enchaînement nouveau pour nous, mais moi je suis prêt à attaquer cette grande épreuve. Okay. On verra. Là on part à zéro, tous les compteurs sont remis en bas de l'échelle sur une course en solitaire, sur un marathon qui est le Tour du Monde, il se peut se passer n'importe quoi. Donc j'en suis bien conscient et c'est pour ça que je ne fanfaronne pas d'avoir gagné à Jacques Vabre. Ça ne me met pas forcément en favori pour ce Tour du Monde. On est sur un tout autre exercice. Mais ce qui est bien, c'est que le bateau est prêt, comme je le disais, moi aussi. Et puis après, on verra pour la suite. Solo sur des machines de 32 mètres, c'est autre chose.
Alors, de sortir, ça fait toujours du bien. On avait des trucs à tester, donc tant qu'à faire, on a fait nos petits tests. Pas grand-chose, hein, c'était les dessales, enfin des choses comme ça, dessalinisateurs. Mais après, c'est toujours chouette. On est parti le port presque vide, enfin je veux dire, les quais vides, et puis d'un coup, on revient, il y a énormément de monde, donc c'est super. Ça marque le début d'une... Ça ouvre le village, je dirais, ça ouvre l'opération, ça ouvre le... C'est un moment qu'on doit célébrer avec les équipes, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour être là, et donc il faut profiter de ces moments où il y a une énergie collective et tout ça, donc c'est chouette, donc content d'être là, en tout cas. Ouais, c'était une course contre la montre, et ça l'est toujours, parce qu'on a encore des petits dossiers quand même, mais voilà, on sera prêt dimanche 7 à 13h, on sera sur la ligne de départ et prêt pour affronter ce défi colossal. C'est beaucoup de... je vais gérer l'avitaillement, les derniers préparatifs, une énième vérification de toutes les listes, de voir si tout va bien. Voilà, c'est essayer de partir l'esprit tranquille avec... en étant sûr que tous les outils sont à bord, que je n'ai pas oublié une seule tablette de chocolat et que et voilà, toutes ces choses là quoi. Non, c'est prévenir tout ce qu'on peut prévenir quoi. Psychologiquement, je pense que non, je crois pas. Je crois que moi, ça fait déjà plus d'un mois que je suis parti. Je sais que c'est une dernière ligne droite, je dirais à terre, dans ma casquette d'entrepreneur, mais non, après sur l'eau, j'ai hâte, hein, mais non, on est déjà parti, enfin pour moi, là on l'a déjà, comment dire, intellectualisé. Après, il y a peut-être un peu d'émotion qui va arriver les derniers jours, forcément. Mais là, pour le moment, ça ne m'atteint pas trop. Je suis assez chanceux. J'étais peut-être plus stressé il y a 2 semaines que maintenant. Ah oui ? Oui. Comme quoi. Pourquoi il y a des jours ? Oui, parce que le bateau est prêt, en fait. Ouais. C'est quand même... Ça va être ma maison. C'est un bout de chemin qu'on va faire ensemble. Tant qu'effectivement les dossiers techniques sont encore, sont pas clôturés, c'est toujours angoissant. Donc la partie technique est, je pense, arrive au bout de ce qu'on est capable de faire. Et puis maintenant, il reste la partie importante, hein, dans un projet de communication comme le nôtre, c'est de faire toutes les relations qu'on a avec nos sponsors et le public. Je retrouve des amis, c'est le monsieur avec Laurent Bourgnon qui m'a mis le pied à l'étrier. Sans lui, je ne serais pas là, ou sans tous les autres, je ne serais pas là. C'est à eux que je pense en fait, là, en arrivant. Je pense à Olivier de Carsozon, avec qui j'ai fait mon premier tour du monde. Mon premier Cap Horn, c'était avec Yves Parlier. Mes premières transats, c'était avec Laurent Bourgnon. En fait, avant de penser au tour du monde, faut arriver jusque là,
faut mettre son bateau à quai, il faut avoir rêvé de le faire, l'avoir dessiné, l'avoir construit, l'avoir mis au point. Et au bout de 4 ans d'efforts, avec toute une équipe, tout un groupe, avec 3 femmes chez Sonebo qui ont cru en ce rêve d'être là. Et on va tous être sur ce ponton et chacun aura une histoire différente pour être arrivé jusque-là, mais il faut déjà être là pour avoir le droit de faire le tour du monde. Ouais, c'est un moment émouvant. En plus, on s'est fait un convoyage avec la garde rapprochée. On s'est offert ce moment sans vous déplaire, hein, mais sans médias, sans rien. On était entre nous. Avec l'émotion de savoir qu'après la prochaine navigation, ce serait en solitaire. Ça planait dans l'ambiance du cockpit et à la fois ça souriait, ça rigolait. On s'est fait plaisir en allant un peu trop vite. C'était pas le projet du départ, mais en fait, on s'est fait plaisir tous ensemble. Et puis là, le Goulet, c'est toujours aussi beau avec cette lumière de fin de journée. Là. J'adore cet endroit. Brest même, et je crois que j'aime Brest. Ouais, j'ai eu une histoire avec Brest depuis tous ces records que j'ai pu faire en solitaire ou en équipage. Et j'aime cette ambiance, ces regards, ces anonymes. En fait, ils ont compris un truc, c'est que quand ils venaient voir ces bateaux-là, ils viennent chercher l'authentique. Et à Brest, il n'y a que ça qui compte, c'est l'authentique. C'est pas des gens avec de la fleuriture, c'est pas des gens qui... Mais... Ouais, j'aime cette ville et cet endroit. 8 tours du monde, il y a que toi qui les comptes, hein. Moi, je les compte pas. Je fais pas les choses en les cochant. Je fais pas les choses pour les cocher, je fais les choses parce que j'ai du cœur. Et parce que j'aime ce que je fais, j'aime les gens que je rencontre quand je fais des choses comme ça. Non, j'ai jamais compté le nombre de tours du monde de Transat où j'aurais eu l'impression de vieillir. C'est d'ailleurs une manière un peu maladroite de me dire que j'étais un vieux con ou le plus vieux. Je le retiendrai pour la prochaine interview. Mais surtout pas, c'est une routine. La montagne est tellement haute que à chaque fois c'est l'humilité, la modestie. Tu regardes jamais les... Ceux qui vont le faire pour la première fois, je ne les regarderai jamais en étant condescendant. Au contraire, je me sens vraiment à leur égal, quoi. Ils sont à mon égal, il n'y a pas de distinction. C'est des histoires différentes. Voilà, c'est des histoires différentes. Moi, j'ai construit mon histoire en ayant fait beaucoup de tours du monde, ou plusieurs, et eux, pas encore, mais... Non, je n'ai pas cette prétention-là, ce serait raté tout le reste. Tous les bateaux qui sont là, je pense qu'ils auraient la date après la Jacques Vabre était un peu tendue et un peu trop courte pour avoir des... D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui c'est un peu trop court, vraiment, au sens propre comme au sens figuré. Donc, comme dirait mon copain Bruno Jean-Jean en Méditerranée, à un moment donné, il faut y aller. Donc, il n'y a jamais de mauvaise date ou de bonne date. Mais on voulait être là le jour dit. Et finalement, c'est ça, hein, c'est être prêt pour arriver ce jour-là. Je vais faire un réveillon avec des amis, tranquille. Ça va. Il y aura peut-être moins de cotillons ou moins de nuits blanches que d'habitude, mais ce sera sympa quand même. Un peu particulier parce qu'on est on est content surtout d'être là. C'était un beau challenge déjà d'être présent parce qu'on a eu pas mal de soucis techniques sur la Jacques Vabre, donc il fallait tout réparer et donc bravo à toute l'équipe. Puis ouais, on est content, impatient. On a du mal à réaliser que dans une semaine on va partir pour un si long voyage. Et en tout cas, c'était une belle arrivée, donc j'espère que quand on reviendra, ça sera aussi beau et puis aussi sympa.
Ouais, il y a eu du boulot, ouais, parce qu'on avait eu pas mal d'avaries techniques et au retour aussi, malheureusement. Mais bon, l'équipe a bien réagi et le bateau est vraiment très très prêt, je suis super content. Et ouais, on a retrouvé les sensations qu'on connaît de ce bateau, donc ouais, c'est plutôt de bon augure. Ben écoute, je suis content en fait, parce que je ne vais pas une course, c'est particulier quoi. D'habitude, je suis stressé parce que je pense est-ce que le bateau va aller vite, des choses comme ça. Et là, je suis plus en train de réfléchir à comment je vais moi me conforter. Je sais que ça va être une aventure. Et j'ai l'impression qu'on va tous vivre un grand truc et c'est vrai que d'habitude je les vois tous comme des compétiteurs. Là j'ai plutôt l'impression d'une bande de potes qui va faire une belle aventure tous ensemble et voilà, je suis focalisé sur mon bateau plus que sur les autres. Souvent on approche de la compétition, on regarde un peu ce qui se passe autour et là je suis complètement focalisé sur mon bateau et moi-même parce que c'est vraiment l'inconnu, c'est plus... le bateau aussi, il connaît pas encore la route en complète, il l'a jamais faite. Il n'a jamais réussi à la faire, on l'a essayé, et moi non plus, en solitaire en tout cas, et sans s'arrêter. Donc voilà, moi je vis ça avec ouais, les yeux d'un peu de comme si je retournais faire mes premières courses, donc ça c'est sympa. Du coup, je ne suis pas stressé, je suis plutôt impatient et curieux de savoir ce qui va se passer. Ouais, c'est que du positif, parce qu'en plus, voilà, j'ai eu des moments compliqués récemment. J'ai fait un moment, je me suis posé la question si je pouvais y aller. Et tout s'est rétabli et du coup c'est quand je me suis posé la question si j'allais pouvoir y aller, je me suis rendu compte que j'étais attaché à faire ce tour du monde et que j'avais très, très envie d'y aller, la valeur de ce tour du monde pour moi, pour toute l'équipe évidemment, mais particulièrement pour moi qui ai toujours rêvé de faire le tour du monde en solitaire et à 50 ans, bah, avec tout ce que j'ai fait dans ma carrière, j'ai jamais fait le tour du monde en solitaire, donc j'espère que c'est la première fois, j'espère que ça sera aussi, bah, aussi riche que ma première Route du Rhum, on va dire, aussi performant, mais surtout, je vais bien le vivre et que je vais réussir à boucler la boucle, c'est d'abord. Ouais, il y a de l'émotion, il y en a toujours, mais ouais, je m'étonne un peu de bien réussir à dormir pour l'instant, d'être bien, serein, zen. Voilà, parce que voilà, tout me semble ouvert et j'ai envie d'y aller et de voir comment ça se passe. Super, ouais. C'est le premier course au tour du monde. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. La journée n'est pas terminée. À bien. Mais on voit ouais, juste sur le livre, parce que ça, c'est un collector. C'est les premières nappes. Important, Joseph. Alors, présentation des skippers demain. J'étais pas surpris qu'il y ait du monde. Je connais les Brestois et Brestoises, les Finistériens, et puis même tous les gens qui aiment la mer. J'avais amené un copain en plus avec moi, un copain de Brest. Il avait des copains qui étaient sur le quai, il m'a dit il y a beaucoup de monde, donc on est très heureux. Bien, en plus il fait beau, donc ravi d'arriver sous ces conditions. On coupe le ruban et on applaudit, parce que c'est officiel, le village est ouvert, mais si c'est le cas depuis ce matin. Brest même, je retrouve des amis. Je pense à Olivier de Carsezon, avec qui j'ai fait mon premier tour du monde. Ravi d'être là, je pense que l'équipe aussi arrive avec le sourire. C'est bizarre, c'est pour ça que je dis il y a plus de monde qu'en Figaro. Bah, c'est une atmosphère qui est complètement différente, voilà, que je connais pas encore. On va tous vivre un grand truc et c'est vrai que d'habitude je les vois tous comme des compétiteurs. Là j'ai plutôt l'impression d'une bande de potes qui va faire une belle aventure tous ensemble. Que j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte au top départ. Voilà, cette année, le Noël est un peu particulier. Le réveillon de Nouvel An, ce sera pareil. On est plus de 20 personnes à travailler sur ce projet depuis des mois. Donc, il faut se donner le maximum de chance. Je crois que j'aime Brest. Pas mal de vent et c'était exactement les conditions qu'on avait besoin.
pour clôturer notre mois de chantier express pour ce tour du monde. Donc voilà, donc on a vraiment vu beaucoup de choses sur l'eau et c'est très bien. Donc, voilà, ravi d'être là. Je pense que l'équipe aussi arrive avec le sourire. Parce que vraiment tout fonctionne, on est vraiment content de nous. Et on se sent prêt, ouais, il y a toujours des petites choses à faire. Je pense qu'on va essayer de faire une petite nave dans quelques jours pour finaliser 2-3 choses, mais non, c'est génial, c'est top. En tout cas, on est là où on voulait être. Bah, ça fait bizarre, c'est pour ça que je dis il y a plus de monde qu'en Figaro. Bah non, c'est sûr que c'est une atmosphère qui est complètement différente, ou voilà, que je connais pas encore. J'ai vécu ça en tant que skipper remplaçant sur la route du Rhum, mais ça n'a rien à voir quand c'est toi le skipper. Voilà, tu te rends compte qu'il faut pas se faire submerger d'émotions, je pense, le 7 janvier, le jour du départ. Je pense que c'est pas forcément un moment que j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte au top départ. Et ouais, je pense que le matin du départ, ça va être bizarre. Ouais. Ouais. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de le vivre, voir ce que c'est, quoi. Il n'y aura pas vraiment de réveillon, hein. Je pense que j'ai fait la même chose pour le Tour du Monde en début d'année pour The Ocean Race. C'était très sage et à minuit 30 au lit. Donc là, je pense que ça ressemble à ça encore cette année. On va pas voir que ce soit comme ça tous les ans. Hein. Ah, je me dis pas trop ça encore. On a une petite job list qui est encore pas très grande. Donc, on est encore concentré un peu là-dessus, sur dernier préparatif, préparation, avitaillement. Je regarde un peu la météo, mais voilà, c'est surtout, je pense que quand les fichiers météo vont commencer à se préciser, on va vraiment se concentrer en mode météo. Là, je pense que le 7 janvier, on va le sentir beaucoup plus proche. Le but, c'est d'en avoir le moins possible d'appréhension. Je pense que si tu te mets trop la pression, et c'est, enfin voilà, tu peux avoir beaucoup de stress inutile. Il en faut du stress, mais pas trop non plus. Donc, je vais pas essayer de trop regarder autour de moi ou de regarder trop la foule ou le monde, j'essaie de me concentrer sur les gens qui a 10 mètres dans un ring autour de moi pour essayer d'avoir moins de pression. Et ouais, mais bon, là je vous réponds comme un robot, comme ça je réfléchis pas et je me prends dans la tête. C'est un avantage d'être un bisou. Ah, c'est un gros avantage, ouais. Ouais, c'est un avantage parce que. Là j'ai fait le choix de pas forcément prendre un préparateur mental parce que je ne saurais pas sur quoi travailler parce que j'ai que hâte, j'ai aucune appréhension et j'ai aucune appréhension parce que je suis un peu bisu. Et je pense que si je finis ce tour du monde et que je vais en faire un deuxième, il y a de grandes chances que tu dois prendre un préparateur mental parce que tu vois toutes les embûches que tu as eues. Je pense que tu vas avoir peur de re-avoir les mêmes ou comme ça et je pense que tu ne vis pas ton tour du monde de la même manière. Ouais, je disais, si t'as déjà fait un tour du monde et tu dois en faire un deuxième ou comme Thomas Coville, t'en enchaînes sans en compter, tu dois savoir beaucoup plus facilement là où tu dois travailler mentalement ou je suis comme ça. Et voilà, c'est peut-être pas dans la même réflexion. Là, j'y vais avec l'envie et la fraîcheur d'être bisu et voilà, sans prise de tête. Et on applaudit parce que c'est officiel, le village. Forcément, oui, mais je ne me le dis pas trop en fait. Merci d'être avec nous. Pardon, je ne prends pas trop la tête là-dessus, justement, peut-être pour me protéger et pas me mettre trop de pression. Et je sais que je suis chanceux et ça, c'est une énorme chance d'être là. Et je remercierai jamais assez Actual et la team Actual pour de m'offrir cette chance-là. Mais j'ai pas envie de trop y penser et réfléchir. Je préfère faire cette régate de Brest à Brest, départ à Brest, arrivé à Brest. C'est parti. Comme les 100 régates que j'ai fait en optimiste ou en laser en 470 ici et me concentrer là-dessus. Petite régate de quartier. C'est un peu plus long. Une petite régate de saucisson. Tout à l'heure, si vous voulez bien. Allez, on Des années 60 jusqu'aux années 2000. Alors, le vol sur notre ultime, tout simplement, faut imaginer un peu comme un avion qui va décoller sur une piste à l'aéroport. On accélère, on a besoin de la vitesse pour pouvoir décoller. Donc, il faut qu'on atteigne à peu près, on va dire 23, 24 de vitesse. Donc,
près 40 km/h. Et avec cette vitesse-là, les foils qui sont sur l'ultime Bon Populaire 11 vont nous permettre, un peu comme une aile d'avion, de créer de la portance. Donc ça va avoir envie de soulever le bateau et de pousser le bateau vers le haut, vers le ciel. Et ça va nous permettre de faire sortir le flotteur hors de l'eau, et donc d'enlever de la traînée, de la résistance, et donc d'accélérer. Un des travaux majeurs que vous avez fait sur le bateau, ça concerne l'aéro. Comment est-ce qu'on peut décrire ce que vous avez fait dessus? Aujourd'hui, on se rend compte avec ces bateaux qui volent qu'on a un vrai gain à aller chercher sur tout ce qui est au-dessus du bateau, c'est-à-dire toute la plateforme où on a de l'air qui circule, bien sûr, en permanence. Et on sent que dès qu'il y a un élément qui est un petit peu en frein à cet écoulement de l'air, c'est négatif pour la performance, c'est négatif pour la vitesse. Donc on a essayé vraiment de caréner l'ensemble de la plateforme pour que l'air s'écoule le mieux possible pour gagner en aéro et pouvoir être plus performant. Donc on a fait toutes ces études et aussi cette mise en place sur le bateau avec pas mal d'endroits qui sont tenus avec des carénages, des bâches, qui permettent de faire que on ait quelque chose de assez similaire à une Formule 1. On voit vraiment un profil de voiture qui est quasi idéal à l'écoulement de l'air quand la voiture est à 300 km/h. C'est un travail que vous avez initié avant la mise à l'eau et que vous continuez. Visiblement, il y a des bâches que vous aviez rajoutées. Ouais, on continue à travailler dessus parce que au fur et à mesure de la prise en main du bateau, on prend confiance dans la plateforme, dans l'ensemble des systèmes, et donc on se permet de rajouter tous ces carénages supplémentaires qui au départ n'étaient pas forcément prioritaires parce qu'on avait envie de valider d'abord des choses plus importante, et puis on rajoute.